Partagez. Maman, je suis là. Partagez le live. Partagez. Maman, partagez. Hai finito? Sì. Spegni la luce. Alza i piedi quando cammini. Va bene. Partagez le live, partagez. Mes gens, ça fait longtemps vous m'aviez pas vu. Ça fait très très longtemps. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je suis en bonne santé. Ah oui. Partagez le live, mes gens. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Perruque à vendre. Cheveux purs. Purs cheveux. Cheveux purs. Servante. Partagez, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas vu. J'étais en convalescence. Je suis sortie de l'hôpital. Brian. Je suis sortie de l'hôpital. Je suis d'abord restée boire bien mes remèdes. Avant de faire surface dans les réseaux. Partagez le direct. Je vais vous dire. Mes gens, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Partagez le live. Connectez-vous. Partagez le live. C'est une dure bassa qui est là. Dure bassa baganté. Je suis baganté, roi. Que vous le voulez ou non. Je suis là. Baganté. Monica la baganté. Je suis là. Je suis du côté de ma mère Lolo. Et ça ne chauffe pas. Partagez le live. S'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre. Hein. C'est un abec. Abec, abec. On fait des abecs, non. Si on ne fait pas les abecs avec vous, on va encore faire les abecs, abecs avec qui? Partagez. Bipé mon canjo, bipé tout le monde. Parce que vraiment, Facebook, c'est là. Partagez le live. Mais genre, vous me voyez, non. Je suis restée avec le petit gramme que j'ai eu. Le petit gramme de la grossesse que j'avais. Je suis restée avec. Donc, ne vous étonnez pas, ne dites pas que Monica, pourquoi tu gonfles comme ça? Il gonfle, non. Donc, mes gens, je vais vous dire que avant, voilà, je ne vais pas tarder. Je vais vous dire, maman, mes perruques, je vous avais dit ici là que il y a quelqu'un à côté de chez moi qui vend les perruques. Non, c'est un Italien. Donc, ils vendent de très bons perruques. Voilà ça. Très bon, naturel. C'est de lèvres, alors c'est la magie. C'est trop long. C'est long jusqu'à. Naturel. Voilà ça. Ce n'est pas le coucha qu'on vous vend là. Voilà. J'ai un très bon fournisseur ici là. Quand je veux seulement la perruque, je vais là-bas. Et même comme il y a
Il y en a d'autres couleurs, comme la couleur, si ça ne me va pas. Mais j'ai quand même prié, dit que dans toutes mes perruques, je n'ai pas cette couleur. Donc, je la prends par tête, tu testes. Je prends comme ça, là, je tchou, mais se revend, non. Tu veux faire comment? Moi, j'aime pas trop le bring-bring, mais comme j'ai un teint noir, j'ai un teint marron, donc il faut quand même quelque chose que quand on me voit passer, quand on me voit venir de loin là-bas, on voit que l'autre là, c'est une blague. Vous voyez, non? Donc, maman, merci, Aurélie, merci. Ça me va, tant mieux. Parce que j'ai quand même pris la perruque. J'ai trop de perruques noires. Vrai. J'ai trop de perruques noires. J'ai pris la perruque si par tête, tu testes. Hein? Ma grâce bête, bonjour. Bonjour, ma. Donc, je vous disais que mes gens, si je suis sortie aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer de quoi je souffrais. Parce que certaines personnes n'étaient pas informées dans les réseaux sociaux. J'avais une grossesse extra. Donc, et vous-même, vous savez ce qui signifie grossesse extra-utérine. Donc, ce qui fait que je n'étais pas bien malgré le forcing que je faisais dans les réseaux. Hein? Comme je suis, j'ai toujours été courageuse dans la vie. Et même les docteurs ont apprécié mon courage. Oui, je suis toujours positive, quel qu'en soit. Maman, je vends déjà les robes de mariée, ma grande soeur. J'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Et tu sais que le chômage en Italie, c'est pas n'importe quoi, non. C'est pas quand même AliExpress. Quand on voit ça, tu confirmes. Quand toi-même, tu vois la robe, tu dis yes. Il y a plein de trucs qu'avec le temps, j'ai acheté beaucoup de trucs comme ça, là. Qu'avec le temps, je vais vous présenter. Donc, j'étais en train de dire, par rapport à mon absence, ces quelques jours dans les réseaux, c'est parce que j'avais une grossesse extra. Et Dieu merci. Dieu merci, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, le même jour, le docteur a dit, tu ne rentres plus à la maison. Parce que depuis la maison même, j'avais quelques complications, mais c'est mon docteur qui venait à la maison. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que tu ne vas pas. Parce que la grossesse là était vraiment risquée. Donc, ce qui fait que je suis restée à l'hôpital pendant ce temps. Voilà. Et je vous dis, pourquoi vous voyez mon poste où je remercie le couple Messang, ma mère star. Parce que elle m'a vraiment soutenue dans ce combat. Vous savez que la grossesse extra est immortelle. Donc, ce qui fait que, avec le stress, moi, j'ai dit que je n'ai rien fait à personne, je ne dois rien à personne. Donc, ce qui est sûr, je vais m'en sortir. Et je suis vivante aujourd'hui. J'ai dit à Dieu que je ne dois rien à personne. Je n'ai rien fait à personne. Ma mère star, elle m'envoyait les prières. Ma fille prie, les louanges. Ma fille écoute les louanges. J'ai déconnecté même Facebook. Je suis restée. J'ai dit que moi, Monica, parce que les docteurs disent là que jusqu'à les docteurs, ils ont appelé mon mari et ils disent à mon mari que viens signer dans le cas où quelque chose arrive et tout et tout. Mon mari a dit que j'ai dit que ne signe pas, rien ne va arriver. Les docteurs ont regardé, ils ont vu ma détermination, ils ont confirmé. J'ai dit à mon mari que ne signe rien. Parle à
grâce de Dieu, rien ne va arriver. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Très, 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 très bien. Qu'aujourd'hui, vous me voyez devant vous. Donc, mes gens, il faut toujours être reconnaissante dans la vie. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, même les bénédictions fuient. Je ne vous mens pas. Il faut toujours être reconnaissant dans la vie. Parce que c'est la reconnaissance qui attire les ondes positives. Si tu n'es pas reconnaissant, bats-toi comme tu peux. Bagarre comme tu peux. Tout ce que tu vas faire dans la vie, si tu n'es pas reconnaissante, ça va toujours balancer comme ça. Tu vas tourner en rond. Oui. Tu vas tourner en rond comme ça. Tu tournes. Ta vie va toujours tourner en rond. Tourner en rond. Donc, c'était juste entre parenthèses. Coucou, Mayaël. Bonjour. Merci pour ton soutien, ma belle. Merci. C'était juste entre parenthèses que je n'étais pas bien. J'étais vraiment entre la vie et la mort. Mais comme Dieu est le suprême, Dieu combat toujours pour ses enfants. Si ce n'est pas ton heure, rien ne t'arrive. Quand c'est ton heure là, Dieu laisse passer. Il dit que mon enfant rentre à la maison. C'est comme ça. Mais si ce n'est pas ton heure, même Dieu te pousse que mon enfant, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu viens à la maison, fais quoi? Va encore te balader. Il te donne encore la chance. Hein? Carole Phonix, merci. Merci, ma belle. Dieu te donne encore la chance d'aller tourner encore. Il te permet de tourner. Hein? Maintenant, si tu tournes, tu accumules tes péchés. Ou bien, tu te concentres sur la prière. Chacun a ses problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, avant d'entrer dans le but du sujet, je vais vous dire que téléchargez l'application Tap Tap Saint. Brian, piano, per favore. Siamo due. OK? Je vais vous dire que téléchargez massivement l'application Tap Tap Saint. Et Tap Tap Saint vous permet, par chaque envoi, il vous permet d'avoir le bonus de 5 à 10 euros par envoi. Le code promo, c'est LOLO237. N'oubliez pas. Et n'oublions pas notre fameuse dimanche du 6 octobre. Ce dimanche du 6 octobre. Est-ce que vous savez qui est notre invité surprise? Vous ne savez pas. Donc, connectons-nous massivement. Partagez. Je dis que chacune de nous partage jusqu'à dans son village. Moi, je vais partager jusqu'à Ndiki. Je vais partager jusqu'à dans le village de ma mère. Je partage jusqu'à dans le village de mon père. Donc, je vais partager. Je vais partager dans mes deux villages. Donc, partageons massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Soulevons nos stars. Oui. Arrêtez d'aller chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens font quoi par rapport aux Camerounais? Hein? Si Kota Monchi dit quoi? Vous insultez ma mère Lolo tous les jours. Oh, elle ne sait pas s'exprimer. Oh, elle ne sait pas ceci. Elle n'est pas journaliste. Est-ce que Kota Monchi est journaliste? Elle est allée dans quelle école? Hein? Elle n'est pas allée à l'école. Mais c'est son peuple qui la soutient. C'est son peuple qui l'élève jusqu'au ciel. Vous n'avez pas compris quoi? Ouais, l'enfant, si. Et aussi, toi. Non, si Joka, qu'on y a, ok. Non, si Joka, non. Va bien.
Hein? Quand tu manges chic, est-ce qu'elle vaut mieux que notre tata Lolo TV? Hein? Est-ce qu'elle vaut mieux? Elle ne vaut pas mieux que notre tata Lolo TV. Soulevons nos stars, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens, les Camerounais sont concentrés à parler du piment pendant qu'il y a des vraies choses qu'on doit. Parce que le Camerounais n'aime pas l'évolution. Le Camerounais n'aime pas l'évolution de sa soeur ou de son frère. Pendant que nous, on attend les vraies choses, on veut que vous encouragez. Nous encourageons nos stars dans les vraies choses. Vous vous parlez du piment. Vous étiez là-bas. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, ma mère Lolo ne répond même plus aux personnes qui veulent te mélanger dans la vente du piment. Parce qu'ils veulent, ces personnes-là veulent te déconcentrer sur ta télé. Parce que la télé là va faire du boum. C'est de ça qu'il s'agit. La télé, là, je dis, je parle d'abord avant d'entrer dans le but du sujet. Le pourquoi j'ai lancé mon direct. J'ai dit, appelez le Munkanjo de Kribi. Elle l'est appelée ici. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je parle d'abord de ma star. Hein? Nous voulons l'évolution. Je vous ai demandé que quand à mon chic qui parle tous les jours des 100 caleçons, elle est allée dans quelle école? Elle a quel diplôme? Hein? Prenons même les deux femmes. Elle n'est pas plus mieux que Lolo. Elle n'est pas belle que Lolo. Elle n'est pas élégante que Lolo. Les Camerounais, arrêtez les greurs. Hein? Arrêtez les greurs. Ça vous sert, je dis que ça vous prend quoi? Si vous ovationnez votre soeur camerounaise, vous lui dites qu'il déclashe tous les jours, quitte des injures. Mais c'est les mêmes vous qui vous asseyez, hein, pour la tirer encore dans les trucs de Congossa, dans les trucs de la pimenterie. Vous ne voulez pas d'évolution dans les réseaux sociaux. Donc, en un seul mot, Kota Mon Chic n'est pas mieux que notre Tata Lolo TV. C'est de ça qu'il s'agit. J'allais dire que c'est Monica qui a dit. C'est Monica Jazz qui le dit. Que Kota Mon Chic, à Mon Chic, n'est pas mieux que Lolo. Hein? Tata Lolo TV ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pourquoi les Ivoiriens nous gueulent. Parce que eux, ils savent se lever. Nous, les Camerounais, quand tu veux un peu soulever la tête, on prend la machette, on commence à te découper. Alors que ce n'est pas ça. Donc, Tata Lolo TV ou rien. Notez ça. Tata Lolo TV, ce dimanche, le 6 octobre 2024. Tata Lolo TV ou rien. Et ça ne chauffe pas. Tant pis pour les aigris. Pendant que nous, on avance, eux, ils restent derrière. Oui. Pendant que nous, on avance, eux, ils restent derrière. Ma mère Lolo, tu as une fan. Une fan qui est moi. C'est de ça qu'il s'agit. La télé, là, va fonctionner. Ne regarde pas les écrits. Ne regarde pas ceux-là et celles-là. Les rientons qui veulent te faire rentrer en arrière. On s'en fout d'eux. Tu fonces. C'est de ça qu'il s'agit. Tata Lolo TV ou rien, soyez massivement connectés. On doit soulever notre star jusqu'au ciel. Et ça ne chauffe pas. Oui. Pendant que d'autres restent dans les clashs, elle va avancer avec sa télé. Les gens ont beau tricher. D'aucuns même ont couru. Aller acheter les caméras, aller acheter les ceci.
Mais c'est où? Quand l'étoile de quelqu'un est pour elle, soyez même 1000 à combattre la personne. Quand Dieu donne pour toi, c'est pour toi. Est-ce que vous le comprenez? Quand Dieu donne pour toi, c'est pour toi. Oui. Parce que les copies là, ça ne va nulle part. Si je fais ma chose, tu viens copier. C'est pas comme l'original et ça ne va pas fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne va pas fonctionner parce que tu as copié ma chose. Donc, Tata Lolo TV, soyez massivement connectés ce dimanche, le 6 août, le 6 octobre, autant pour moi, 2024. Soyons massivement connectés. Le Cameroun et le Camerounais, nous allons avancer. Oui. Donc, maintenant, je vais entrer dans le but du sujet. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Mes gens, s'il vous plaît. Je dis seulement s'il vous plaît. Je dis seulement s'il vous plaît. Partagez, envoyez les cœurs. Parce que quand le direct est comme ça, le direct est muet. Facebook voit que peut-être nous sommes en train de bagarrer alors que non. Partagez, envoyez les cœurs. C'est très important. Vous n'achetez pas les cœurs. Si je demande les étoiles, vous allez dire que je suis en train de demander les étoiles. Je ne veux pas les étoiles. Ce que je veux là, c'est les cœurs. Les cœurs qui ne s'achètent pas. C'est dans vos téléphones gratuits. Ces cœurs sont dans vos téléphones gratuits. Donc, envoyez les cœurs. Merci Aurélie Rob. Merci. Envoyez les cœurs pour sécuriser le direct. Pour que le direct ne reste pas muet. Envoyez les cœurs. J'appelle ici Munkanjo de Kribi. Il y a Munkanjo et Munkanjo. Elle va me dire que toi-même, tu n'es pas Munkanjo. Mais j'ai un peu plus de grammes que toi. Merci Daniela. J'ai un peu plus de grammes que toi. J'ai un peu plus de grammes que toi, Munkanjo de Kribi. Oh, Makali Million, bonjour. C'est comment? Brian, per favore, piano, piano. Hein? J'ai quand même plus de grammes que toi, Munkanjo de Kribi. Bipez-moi Munkanjo de Kribi ici, qu'elle vienne prendre sa dose adulte. Hein? Merci. Oui. Non, ça va déjà. Kali Million, ça va déjà. Dieu merci. Ça va déjà. Ça va. Oui, ça va. Là, je suis en bonne santé. Je suis déjà bien. Munkanjo de Kribi, on a vu comment tu as commencé ton blog ici. Munkanjo de Kribi. Elle a commencé par la prière, par les chants de l'église. Munkanjo de Kribi. J'arrive à ton histoire. Soyez, prenez vos tabourets parce que le direct va m'être long. Prenez vos tabourettes. Moi, je n'ai pas besoin de mettre ton direct et puis de décrypter sur ça. Non, je n'ai pas ce temps-là. La patience, là, je n'ai pas ça. Non, je n'ai pas la patience là que je vais mettre ton direct et commencer à décrypter. La patience là, je ne l'ai pas. Donc, cette fille-là ou cette femme-là est entrée dans ces réseaux sociaux-ci avec la prière. Anna Maria, la mère de Jésus, Munkanjo de Kribi. Anna Maria, la mère de Jésus, c'est elle qui nous disait si Jésus est parti à gauche ou il est allé à droite. Munkanjo de Kribi. Elle était la sainte Nitouche.
quand elle commençait son blog ici là. Jusqu'à moi-même de mes yeux, je voyais comment Julienne Zombie, quand ma mère Lolo était en direct, Julienne Zombie disait que elle suppliait là-bas pour que ma mère Lolo vienne dans tes directs, pour que ma mère Lolo vienne t'encourager dans tes directs. On a vu comment Lolo t'a fabriqué. Jour et nuit ici, elle ne finissait pas son direct sans dire que allait soutenir ma petite soeur de Kribi. Si tu veux les preuves, je peux te sortir beaucoup de preuves. Elle n'arrêtait jamais de dire que mes Lolomania, par ma voix, aller soutenir ma petite sœur de Kribi, c'est une bonne personne. Elle t'a jamais dénigré. Elle n'a jamais parlé de mal en toi. Parce que si c'était une femme aigrie, comme toi d'ailleurs, elle ne serait pas venue dans tes directs partager tes lives sur sa propre page. Oui. Si c'était une aigrie comme toi, mon Kanjo de Kribi, elle n'aurait pas fait tous ces sacrifices-là pour toi. Jamais. C'est parce que c'est une femme qui a un bon cœur. Oui. C'est une femme qui a un bon cœur. Donc, on a vu ta fabrication ici. Mais du jour au lendemain, tu t'es levé et dit que Lolo ne t'a jamais fabriqué. Même comme ça, là, elle accepte. Elle dit oui, je ne t'ai jamais fabriqué, mais laisse mon nom tranquille. Je te dis. Elle a dit, si tu vois que moi, je ne t'ai jamais fabriqué, il n'y a pas de souci. Mais une comme moi, j'ai vu. D'autres personnes ont vu comment elle t'a fabriqué. Si tu es quelqu'un aujourd'hui dans les réseaux, il y en a plusieurs, moi y compris. Plusieurs comme ça que, par la voix de Lolo, on les connaît dans ces réseaux sociaux. Envoyez les cœurs. Oh, Antoinette, bonsoir ma chérie, merci. Lolo a fabriqué les gens comme ça, qui se sont retournés contre elle, dit que je suis maintenant électron libre. Elle a fabriqué comme ça. Quand quelqu'un vient, oh ma tata Lolo, oh j'aime beaucoup tata Lolo, oh ma tata Lolo, ou rien. Une personne, une femme qui a un cœur de mère, elle vient, elle dit que voilà une petite, je vais la soutenir. C'est comme ça qu'elle entre, elle commence à te soutenir. Avec un bon cœur, elle ne vient pas te soutenir que tu viens prendre son parti demain ou après-demain dans les réseaux. Elle te soutient sans arrière-pensée. C'est ça, Lolo. Oui. C'est ça, Lolo. Elle te soutient sans arrière-pensée. Et elle te soutient, elle sait que demain tu viendras te retourner contre elle. Elle le sait. Parce que ce n'est pas un enfant. Elle sait que l'être humain est ingrat. On a vu plusieurs exemples ici. Elle le sait. Ce n'est pas qu'elle est bleue. Elle n'est pas bleue. Ce n'est pas une bleue. Mais elle soutient parce que elle veut l'évolution de ses sœurs. Et toi de Kribi, Munkanjo, tu es sorti ici. Quand sa sœur te parle, tu mélanges son nom. Tu fais dans la manipulation. Tu as attaqué Lolo ici là plusieurs fois, indirectement. Comme tu as fait
avec la star Messang. Tu as insulté cette femme ici plusieurs fois. Elle ne t'a jamais calculé. Non. Va aider là. Elle ne t'a jamais calculé. Partagez le direct, mes gens. Partagez le direct. Elle ne t'a jamais calculé. Elle est venue. Dolo est sortie te dire que ma petite soeur, laisse mon nom tranquille. Je ne te dois rien. Octavia, bonjour, ma belle. Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça va. Elle t'a dit que laisse mon nom tranquille. Même jusque-là. Elle t'a dit un mot de grandeur. Que si ma petite soeur te classe, ça ne veut pas dire que c'est moi. Je me rappelle encore un jour avant, pas les classes si. Avant, quand tu. Les premiers clashs, quand tu clashais avec sa soeur, c'est là où j'ai vu que. J'ai senti que Lolo. Vraiment. Ce n'est pas. De cette Lolo que les gens parlent dans les réseaux sociaux là. J'ai vu que Lolo, c'est une personne de paix. Oui. Elle est entrée dans le direct de sa propre soeur. Son propre sang. Elle a dit à sa petite soeur que laisse ta soeur tranquille. Laisse ta soeur de crépit tranquille. Mais toi, tu n'as pas pris note. Tu as continué à mélanger. Tu as continué à mélanger son nom dans la bêtise. Toi. Étoile de crépit. Tu ne peux pas nous dire comment tu vendais le piment avec ta grande soeur Souris Bordel. Avant même d'arriver là-bas, je vais te parler, étoile de crépit. C'est pas Lolo qui me fait sortir sur toi. C'est parce que tu t'enchaînes sur le couple Messang qui ne t'a rien fait depuis des mois. Tu t'enchaînes sur ces gens. Tu t'enchaînes sur cette famille qui ne t'ont rien fait. Tu dis, c'est toi-même qui dis, avoir échangé avec M. Messang. Et tu viens manipuler. Comme tu es une bonne manipulatrice dans les réseaux sociaux. On t'a vu clasher ici avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco a sorti beaucoup de choses sur toi. Nous sommes sortis ici, il a dit à Natacha que laisse. Ce n'est pas parce que tu es mieux que Natacha. Ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Non. C'est parce qu'on s'est dit que tu as aussi droit à faire ton commerce dans les réseaux. Tout le monde a pris ton parti. Même le couple sur lequel tu t'enchaînes aujourd'hui. Ils ont dit que laissez l'étoile de Kribi faire son commerce. Mais, c'est toi qui te mets toujours sur la position de manquer le respect à ce monsieur qui est Monsieur Messang. Tu es toujours sur tes petites pattes de vouloir de manquer le respect à ces gens et vous allez demander que les nous on vous respecte dans les réseaux sociaux. Vous nous apprenez de comment manquer le respect aux grandes personnes. Tu viens aujourd'hui, tu viens prendre le parti de Gonjal, hein? Tu dis que Gonjal,
C'est monsieur Mesan qui a trahi Ngondjal. Hein? Tu dis que c'est monsieur Mesan qui a trahi Ngondjal. Étoile de Kribi. Maman. Étoile de Kribi. Est-ce que tu vaux la femme de mes seins? Si on te place, on place cette femme. Parce qu'avant d'attaquer le mari de quelqu'un, tu dis que tu insultes son mari, tu ne manques pas de respect à sa femme. Regarde comment tu es une manipulatrice. Tu as oublié que auparavant tu as insulté cette femme. Je te sors les remember. Je dois te sortir les remember. Où tu as insulté cette femme copieusement. Elle te doit quoi? Elle te doit quelque chose. Même sa petite soeur qui la suit, tu ne la vaux pas. Mon canjo de Kribi. Je dis, écoute-moi très bien. Même la petite soeur qui suit, Madame Messang, tu ne la vaux pas. Ton école que tu as fait où? Hein? Ton école que tu as fait où? Cette femme n'a jamais soulevé ne serait-ce qu'un doigt pour venir dans les réseaux sociaux te répondre. Jamais. Jamais. Toi-même, tu avoues dans ta bouche que quand Ngondjal a eu les problèmes avec son frère, tu ne voulais pas parler de ça. Mais qu'est-ce qui t'a animé? Hein? Ngondjal est sorti ici manipuler l'opinion publique. Dit que elle a appelé M. Messan pour calmer l'histoire qu'ils ont inventée. J'ai demandé à Ngondjal ici là que montre-nous l'appel là. Parce que j'ai encore ton premier direct, ton tout premier direct Ngondjal que tu as fait sur cette affaire. J'ai encore ton tout premier direct et la date. Donc à partir de cette date là, on peut voir les appels. Sans nous montrer les appels que tu as appelés, monsieur Messan étant au Cameroun, une menteuse. Vous êtes toute une bande de manipulatrices. Et toi de Kribi, tu ne vaux rien. Je ne sais pas qui t'a menti. Que tu valas quelque chose. Je ne sais pas qui te trompe. Que tu vaux à quelque chose. Quand les gens parlent de monsieur Messan, toi tu te tais. D'accord? Quand les gens parlent de monsieur Messan, tu te tais. Tu n'as pas son niveau, ni le niveau de sa femme. C'est toujours l'amour qui vous dérange comme ça. Hein, Krikata? C'est toujours l'amour qui vous dérange comme ça. On a vu comment le dossier de ta grande sœur, Souris Bordel, qui a fait la bordellerie dans tous les maquis de Kribi. On a vu. On a écouté. Une famille de bordels. Toi-même, tu as fait la bordellerie jusqu'à quoi? Tu as fait le trottoir. Mon canjo de Kribi. Tu es bordel pimentière. Né. Tu es une pimentière née. Tu ne peux pas parler à Madame Messang, ni t'adresser à Monsieur Messang. Ils n'ont pas fait la pimenterie à quoi avec toi.
Ta copine qui a fait la pimenterie à quoi? Avec toi, tu la connais, elle est là dans les réseaux sociaux. Il y a une femme, tu travaillais pour une femme, Bassa, dans une boîte de nuit. Tu n'as même pas... Je vais te raconter ton histoire. Munkanjo de Kribi. Cette Munkanjo de Kribi qui travaillait dans une boîte de nuit. À quoi? Après la boîte, vous connaissez les boîtes là. Après la boîte, elle faisait, elle dansait nue. Avec les clients. C'est comme ça qu'elle a voulu choper le blanc de sa patronne. C'est ta propre copine qui t'a trahi, qui a dit à sa patronne que viens, sinon mon canjo de Kribi va arracher ton mari. Et toi de Kribi, vendeuse de piment, tu vends le piment depuis le Cameroun. Il faut le dire aux gens. Arrête d'indexer les gens de vendeuses de piment. Toi, tu as voulu choper le blanc de ta patronne. Une femme qui t'a empoché. Tu as voulu choper son mari. J'ai le nom de cette femme. C'est une fille, une femme Bassa. Grande étoile noire. Coucou Abigail, bon, bonjour ma belle. Grande de taille, noire. Tu dansais nu dans son cabaret. Munkanjo de Kribi. Tu parles fort, je vais aller très loin avec ton dossier. Très loin et je vais t'envoyer faire tes tests. Oui. Je dis que tu parles fort. Je vais aller très loin avec ton dossier. Parce que ton dossier, je l'ai. Ta patronne était en Bénin. Son mari était au Cameroun. Elle faisait les vases et viennes. Au Cameroun. Tu as profité de ça. Pour faire le grimpa à son mari, tu as voulu arracher le mari de ta patronne. Tu travaillais pour cette femme. Une fille qui dansait dans un cabaret avec ses maigres fesses, ses maigres lasses. La femme de mes sangs a fait la borderie avec toi quelque part. Hein? Tu as le gros cœur et les longs yeux. Munkanjo de Kribi, tu as le gros cœur. Tu as toujours eu le gros cœur et les longs yeux. Les gens qui t'écoutent là, je suis en direct, ma mère. Oui, Claire, je suis amère. Les gens qui t'écoutent et qui ne te connaissent pas, c'est leur problème. Parce que toi seulement, tu as été le chiffon des gens, des hommes dans les cabarets, dans le cabaret de cette femme. Tu as été le chiffon. Après le service, tu faisais l'autre service dans la nuit où tu faisais la danse nue. On te payait. Il y avait les chambres à l'intérieur. On te couillait dans les toilettes. Munkanjo de Kribi. Tu vaux à Monsieur Messang. Hein? Tu viens manipuler aujourd'hui. Tu viens dire à Rêve que... Rêve, comme... Ngosa a fait le même travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es une jalouse née. La jalousie et l'aigreur sont ici là. Dans ton cou. C'est comme le macabre rouge qui est calé. Et ça ne peut pas descendre. Parce que tu es jalouse. Quand les gens sont en relation. Tu n'aimes pas les gens qui sont
en paix. Tu n'aimes pas la paix. Tu aimes quand il y a la zizanie. Et tu viens faire les Anna Maria dans les réseaux. Pourtant, tu es Satan avec les cornes, quatre cornes comme ça. Deux devant, deux derrière. Mon canto de Kribi, tu ne vaux rien. Tu es une femme que quand ça pète, ça sent. Oui. Tu es une fille que quand elle pète, ça sent beaucoup. Parce que ton intérieur n'est pas propre. Ton ventre n'est pas propre. Tu es aigri. Tu cherches quelque chose qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as un mari riche. C'est toi qui as ça. C'est toi qui as ça. Mais pourquoi tu ne veux pas voir les autres en relation, dans la paix? Hein? Une sale tribale comme toi. Tu es une tribaliste. Tu es une tribaliste. Tu es hors d'être ce que tu montres dans les réseaux sociaux. Oui. Tu es très loin d'être ce que tu montres dans les réseaux sociaux que tu es. Ce n'est pas ce que tu es. Tu es le démon en personne. Tu es le démon en personne. Tu es quelqu'un que elle vient, elle allume. Elle est comme les allumettes. Tu allumes le feu, tu lances et puis tu pars. Le reste, ça ne te regarde pas. C'est comme ça que tu es. C'est ce que tu es, mon Kanjo Dokribi. Tu vaux quoi? Tu sais quoi qui dans les réseaux sociaux? Hein? Tu sais à quoi dans les réseaux sociaux? Quand les gens parlent des grandes blogueuses, est-ce qu'on parle de toi? Tu es compté parmi. Mon Kanjo Dokribi, est-ce que tu es compté parmi ces grandes blogueuses? Tu n'es pas une blogueuse, tu es une sorcière qui est arrivée dans les réseaux sociaux pour absorber l'énergie des autres. Oui. Tu es une grande sorcière qui est arrivée dans les réseaux sociaux pour absorber l'énergie des autres. C'est ce que tu es. Une tunga comme ça, chipite. Tu vaux quoi? Hein? Tu sais à quoi? On te connaît dans le commerce, vends ton commerce tranquille. On voit comment de jour en jour, tu deviens comme la cendre. De jour en jour, tu deviens comme la cendre, pas ton aigreur. Tu vas entrer dans les directs des petites sales choses. Hein? On te manque de respect. Regarde comment tu es devenu. Regarde en quoi tu te réduis. Mon Kanjo Dokribi, merci à la personne qui envoie les cœurs. Regarde en quoi tu te réduis. Mon Kanjo Dokribi, tu montes dans un panel. J'ai dit que... On te fait comme la maison, comme le poisson, la maison qui a attrapé le poisson, on te fait comme ça, voup, on te descend. Tu as quel respect? C'est toujours les alliés que tu cherches. Tu vas dans le direct de quelqu'un, tu montes dans ses directs. Hein? Pour chercher les alliés. Pour avoir les alliés. Tu n'as pas honte. Regarde-toi. Tu insultes monsieur Messang, tu vaux sa femme. Moi, un homme, quand je vais parler à un homme, je regarde ce qui est à côté de lui, je ferme ma bouche. Si ce qui est à côté de lui est, je vois que, mon frère, entre nous, la femme là, je ne la vaux pas. Entre nous, hein, je lève le dossier là. Oui, parce que si le monsieur la sort, et il place ta femme, sa femme, il te place. Tu ne vaux même pas l'orteil de sa femme. Tu ne vaux même pas l'orteil de la femme de Star Messan. Tu ne vaux pas. Je dis que même sa petite sœur qui la suit, tu ne la vaux pas. Elle est avocate. Toi, tu fais quoi dans les réseaux? Hein? Tu fais quoi dans les réseaux? Ton école là, c'est de mettre la zizanie dans les réseaux. De faire le tribalisme.
Hein? Regarde-moi une Tumga comme ça. Tu es une Tumga. Tu es une vendeuse de piment. Une vendeuse de piment ne parle pas fort dans les réseaux. Même si tu as changé de métier, tu te tais. Parce que tu es une vendeuse de piment. Une vendeuse de Ndongo qui a fait la bordellerie dans les bars avec sa grande soeur souris bordel. Réécoutez d'abord le nom d'une Waka. Hey! Adama. Adama. Écoutez d'abord le nom d'une Waka, maman. Souris bordel. Hey! Maman. Mais va fermer les cuisses de ta grande soeur qui fait le waka dans tous les bars de Kribi. Hein? Tu restes là. Tu n'enlèves pas la paille qui est dans tes yeux. Tu regardes les yeux d'une autre personne. Mais va enlever, va nettoyer tes propres yeux. Va fermer les cuisses de ta grande soeur souris bordel. Hein? C'est avec son acte de naissance que tu es arrivé en Europe avec ta souris bordel, ta grande soeur souris bordel. Tu penses que tu vas prendre les familles des autres, manquer de respect, on va laisser ta part. Hein? Continue avec monsieur Messang. Ta mère va passer sur le plateau. Une imbécile comme ça. Tu vaux quoi? Une bordel ne parle pas fort. Tu es une waka. Une waka ne parle pas fort. D'accord? Quand vous laisse nous croire, parce que quand tu parles, quand tu restes jusqu'à, tu crois que si le monsieur là ne te répond pas, ça veut dire que tu es super woman. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es une sale bordel. Qui a failli, qui a voulu faire le taper d'eau à sa patronne. Tu as voulu prendre le mécate de ta patronne à Arroi. Là où tu posais. Là où tu faisais la danse nue. Quand encore yindi yo hana. Ou encore para. Hein? Tu as un petit, tu as un couetou comme ça là. Long. Va fermer les cuisses de ta grande soeur souris bordel. Une famille de Waka. Les héritiers de Wakaïsme. Vous êtes les héritiers du Wakaïsme. Mais sans, c'est le père de quelqu'un. Mais sans, c'est le père des gens. C'est une père de, c'est un père de famille. Madame Messang, c'est une mère de famille. D'accord? Donc, quand tu parles de ce couple-là, tu les parles avec respect. À partir d'aujourd'hui, tu sors encore, tu prononces le nom de ce couple. Je sors et m'assois sur ta mère. Et ça ne chauffe pas. Tu sors encore, tu prononces le nom de ce couple. Je sors, je m'assois sur ta mère et sur ta grande soeur souris bordel. Votre maman vous a laissé l'héritage de la bordellerie. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Hein? Famille de souris bordel. Pourquoi tu ne le dis pas aux gens que ta mère c'est une grosse waka? Quand on dit mannequin au Cameroun, nous tous, on connaît les tous. Quand tu vas là-bas pour être quelque chose, on écarte ton couetou. Ta mère est écartée dans tout le Cameroun. Qui ignore ça? C'est elle qui vous a laissé l'héritage de la bordellerie. Comme tu veux faire comme si tu manques de respect à monsieur Messang. Et madame Messang, je vais te montrer comment on manque le respect à une personne. Je m'en prends à ta mère. Parce qu'elle ne vaut rien. C'est aussi une sale waka. Oui. Parce que quand vous adressez aux gens, vous oubliez que ces personnes-là aussi sont des mères et des pères de famille. Regardez-moi une chiennasse comme ça. Tu vois quoi, tu sais à quoi.
Hein? Ton long français que tu parles tous les jours, tu t'assises ici là pendant des mois sur Karimo. Tu vaux Karimo. Parlons même de Karimo. Tu vaux Karimo. Hein? Une jalouse née comme ça. Tu as la jalousie en toi qui n'a pas de nom. Tu as une jalousie l'aigre en toi qui n'a pas de nom. Hein? C'est monsieur Messang qui a demandé que ta mère te laisse l'héritage de la bordelerie. Hein? Famille de souris bordel. Est-ce que c'est madame Messang qui a demandé à ta mère de te laisser l'héritage de la bordelerie? Une famille de pimentières. Regardez-moi cette sapaque. Tu penses que tu peux manquer facilement de respect aux gens? Toi, on te laisse, idiote, Tunga. Regardez-moi celle-là. Une va-nu-pied comme ça. Hein? Quand tu regardes, tu ne pèses même pas 10 kilos. C'est elle qui se lève carrément parce qu'elle a un long français de la bordelerie dans la bouche. Elle s'adresse aux gens n'importe comment. Qui est ton enfant dans les réseaux sociaux? Petite villageoise, escronga, idiote. Qui est ton enfant dans les réseaux sociaux? Tu t'adresses même à qui comme ça, au qui comme ça? Hein? Qui t'a menti que tu étais quelque chose? Famille de souris bordel. Hein? Une famille qui vend vraiment la personne qui a donné le nom de souris bordel à ta soeur. Il a vraiment, la personne a vu mieux. Parce que vous avez vendu vraiment le piment comme les souris. Vous voyez comme quand les souris viennent grignoter les arachides. L'autre sort là-bas. C'est comme ça qu'elles ont vendu le piment. De la mère jusqu'aux petits enfants. Tu vas manquer de respect aux familles des autres, on va te laisser. Petite idiote. Regardez-moi ça. Nyang, 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 nyang. Ngosa. Nyang. Ngosa, c'est à quoi? Hein? Ngosa, c'est à quoi? Quand tu vas finir de défendre Ngosa, c'est ce qui va lui donner à manger. Quand tu vas finir d'insulter les gens à la place de Ngosa, c'est ce qui va lui donner quoi? Dis-moi un peu. Petit canard. Hein? Quand tu vas finir d'insulter monsieur Messang pour Ngosa, ça va lui donner quoi? Le trophée? Hein? Non, dis-moi un peu ce que ça va lui donner. On t'a vu ici, là, toi-même, tu es sorti. Tu es une bipolaire, toi-même, étoile de creepy. Une bipolaire Pro Max. Il n'y a personne. Tu es la mère du tourbillonnage. Toi, étoile de creepy. Tu es la mère du tourbillonnement. Tu pars là-bas, tu tâtes l'autre côté. Tu es comme la souris, ta grande soeur souris bordel. La famille des Wakané. Hein? Tu pars là-bas, tu tâtes. Tu pars là-bas, tu tâtes. Tu parles de tout. Elle parle de tout. Elle entre dans les problèmes qui ne la regardent pas. Ça te regarde? Hein? Le couple me sent, te doit quoi? Hein? La femme là que tu as tant insultée pendant des mois, la femme a partagé tes choses sur sa page, non? Elle te doit quelque chose? Hein? Est-ce que le couple là te doit quelque chose? Hein? Regardez-moi cette sapate. M'kena encore yindi yo wa wa wa. Wa noumou ou para. Hein? M'kore yindi 12 août. J'ai dit que... Soit encore tu prononces le nom de monsieur Messang. Je vais m'asseoir sur ta mère. Parce que si c'est l'éducation que ta mère t'a donnée. Hein? De venir dans les réseaux sociaux et manquer de respect aux pères de famille et aux mères de famille. Je vais manquer de respect à ta mère.
petite idiote. Et vendeuse de piments. Ta grande soeur Souris Bordel a vendu le piment à Kribi. Ça lui a donné quoi? Hein? Ça, la bordellerie a donné quoi à ta grande soeur de Kribi? Souris Bordel. Ta grande soeur a eu quoi dans la bordellerie? Aujourd'hui, elle marche partout, elle mange les bifagas fumés, les bifagas qui ont le piment là. Hein? On méprise votre famille. Les gens méprisent votre famille. Une famille de Wakavo quoi? Non, dites-moi un peu. Une famille de Wakavo quoi? Hein? Vous êtes toute une famille. Les Wakano n'ont pas de parole. Toi et toi de Kribi, tu n'as pas de parole parce que tu es une Waka. Quand elle te voit appeler les gens, dis, oh, eh, tel a vendu le Ndongo, eh, tel a vendu le Ndongo, je te regarde, je ris seulement, je dis que regarde-moi celle-là. Tu sais depuis quand j'ai ton dossier? Hein? Vendeuse de piment, Waka de Kribi, et toi de Kribi, toi-même vendeuse de Ndongo, tu as vendu le Ndongo à quoi jusqu'à vouloir récupérer le mari de ta patronne. Ya! Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte, toi de Kribi. J'ai la photo de ta mère. J'ai la photo de ta grande soeur Souris Bordel. Vous allez courir. C'est vous qui allez courir. Hein? Moi, je serai derrière. Je vais publier la sale waka de ta grande soeur qu'on appelle Souris Bordel. Je vais poster sa photo sur ma page. Que la vieillerie qu'on appelle Souris Bordel, venez regarder, c'est elle ici. Tu veux les clashs, on va se faire ça dur. Regardez-moi une chose comme ça. Hein? Va prendre soin de ton truc que tu as à la maison. Hein? Prends soin de ton truc que tu as à la maison. Tu dis que ton mari ne peut pas parler. Qui te supplie? C'est parce que tu es une mamie Ngrimba. Oui. Tu es une mamie Ngrimba. Tu es une fille qui pratique beaucoup. Qui l'ignore? Quel est l'homme que il va voir que sa femme est en train de faire les bêtises, il accepte. Si ce n'est pas le Ngrimba. Hein? Si ce n'est pas le Ngrimba, mes gens, dites-moi un peu. Quel est l'homme qu'il va voir, il voit qu'il reste comme ça, il voit que sa femme est en train de se perdre, il ne dit rien. Il accepte. Si ce n'est pas le Ngrimba. De la mère jusqu'aux filles, une famille qui pratique. Qui ignore que vous êtes une famille de maraboutage, de marabouts. Une famille qui va beaucoup chez les marabouts. Qui ignore. Prends ta Bible. Dami la Bible. Brian, per favore, dami quella Bible là. Voici la Bible. Voici la Bible. Sans ni touche. Et toi de Kribi, voici la Bible. Prends la Bible, tu ouvres un passage, tu lis, tu dis que moi et toi de Kribi, je n'ai jamais fréquenté les marabouts. Tu viens jurer sur la Bible. Hein? Viens ici, prends la Bible, tu dis que Seigneur, si j'ai marabouté sur mon mari, frappe-moi. Tu ouvres la Bible comme ça là. Tu jures que Seigneur, voici la Bible. Si je n'ai jamais pratiqué sur mon mari. Si j'ai pratiqué sur mon mari, frappe-moi. Prends la Bible et toi de Kribi, jure sur la Bible. Je te mets le défi. Je te mets au défi. Voici la Bible. Viens dire ici sur la Bible que tu n'as jamais pratiqué sur ton mari. Viens dire ici sur la Bible que tu n'as jamais fréquenté les marabouts.
Et toi de Kribi, ma marabout, viens ici jurer sur la Bible que tu n'as jamais vendu le Ndongo. Voici la Bible. Tiens la Bible, tu ouvres, tu dis que c'est la parole de Dieu qui est dedans. C'est la parole de Dieu qui est dans la Bible. Viens jurer sur la Bible ici que voici, les gens sont témoins. Je n'ai, moi et toi, de vendeuse de Ndongo, je n'ai jamais vendu le Ndongo. Je n'ai jamais pratiqué sur mon mari. Je n'ai jamais mis pied dans la maison d'un marabout. Viens jurer et te mets au défi. J'ai dit que ce que tu fais voir aux gens là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu es le démon en vrai. Tu es le démon. Tu es ce qu'on appelle l'incarnation de la haine. Oui. Eh bien, ici là, Dieu a dit que, Anna Maria, Dieu a dit que, alors que la nuit, elle n'attend même pas que la nuit arrive, elle commence à appeler ses marabouts, une chiennasse comme ça. Je te dis que mais, je te mets au défi. Prends la Bible, tu jures sur ça. Hein? Prends la Bible, je t'ai dit trois choses. Tu dis que les trois choses, la Bible, les trois choses que Monica Jazz a dit. Si j'ai déjà fait ça, frappe-moi. Tu verras ce qui va se passer. Tunga. Hein? Mais ça est devenu votre moins cher dans les réseaux sociaux que tout le monde va se lever. Mais sang, le père de la Suisse, le père de la Suisse, il vous doit quoi? Un petit sapac. Quand on te fracassait le couetou, ah quoi, il était avec toi. Quand tu vendais ton piment, quand tu opérais pour récupérer le mari de ta patronne, est-ce que Messang était avec toi? Petite idiote. Oh, j'ai fréquenté, j'ai les diplômes. Tes diplômes te servent à quoi? Parce que la façon dont tu es bête, je n'ai jamais moi vu une personne qui a fréquenté qui est bête comme toi. Hein? Je dis que tes trucs, oh, j'ai fréquenté, oh, j'ai les diplômes. La façon dont tu es bête, tu devrais avoir honte avec tes diplômes que tu as entre les mains. Hein? La façon dont tu es bête, mon Kanjo de Kribi, tu devrais avoir honte avec tes diplômes. Vous partez au Cameroun acheter les diplômes. Oh, j'ai les diplômes. Oh, j'ai ceci. Vous partez au Cameroun acheter les diplômes. Qui ignore ça? Qui l'ignore? Mais sors-nous tous tes diplômes si tu as fréquenté. On voit en quelle année tu as eu tes diplômes. Hein? En commençant par le BPC jusqu'au bac. Sans nous montrer ici là, pas le pou pou pou. Hein? Regarde-moi un tunga comme ça. Elle connaît seulement vendre le pépé. Tu sais faire quoi d'autre? Hein? T'assois pour vendre ton propre commerce te dépasse. C'est mes sangs. Que tu viens t'acharner sur lui. Tu es qui? Tu es né quand? Hein? Mon Kanjo de Kribi, tu es né quand? Tu vaux cette famille-là? Est-ce que tu les vaux? Avec tes longues pattes comme les cuisses de poulet. Voilà ses cuisses. Moi-même, j'aime même les cuisses. Voilà tes cuisses. Voilà tes cuisses. Hein? C'est toujours l'amour qui vous dérange comme ça. Vous tous, vous enviez ce monsieur. S'il monte sur toi, il va t'écraser. Je dis que s'il monte sur toi, il va t'écraser. Hein? On a vu, moi-même j'ai vu. J'ai vu comment tu es misérable. Tu cherches l'amour dans les réseaux sociaux.
J'ai vu ici comment tu es misérable. Tu cherches un mari africain, mais tu n'arrives pas à voir parce que tu te dis que comme tu es une blogueuse, non. Si quelqu'un, si tu te mets en relation avec un Africain, il va vendre la mèche. Mais tu as très envie d'avoir un Africain à tes côtés. On a vu. Hein? Une femme qui va voir, soi-disant, son collègue blogueur qu'elle ne connaît pas. Écoutez bien l'histoire. Tu as la bague au doigt. Tu dis que tu es mariée. Une femme mariée qui se lève en sexy, avec les cuisses de poulet dehors. Tu partais séduire qui? Dites-moi la vérité. Tu ne t'habilles pas décemment. Hein? Tu ne t'habilles pas correctement. Une femme mariée, légalement mariée, tu ne connais pas le blogueur. Tu n'as jamais vu le blogueur. La première fois que tu vois le blogueur, tu te lèves en mini-robe pour aller t'asseoir et prendre les mains. C'est les mains qui doivent cacher ton petit slip qui est entre tes cuisses. Tu es quelle femme? Tu n'as aucun respect. Tu ne peux même pas parler à Madame Messam. Tu n'as aucun respect. Tu n'es qu'une sale bordel parce que tu partais vendre ton piment. Et Amer Kamer, moi j'ai la certitude. J'ai le vox où il dit que il t'a envoyé les 5 doigts dans le couetou. Il a envoyé, il a pris la main, il a mis comme ça dans le couetou. Il a touché tes 5 jusqu'à ce que tu étais mouillé. Oui. Jusqu'à ce que tu t'es mouillé. Tu t'es mouillé en vrai. Amer Kamer t'a mis les doigts dans le couetou. Il a touché tes seins. Tu étais mouillée. Tu es une femme, toi? J'ai dit que quand les vraies femmes parlent, tu closes ton bec. Parce que tu n'es pas une femme. Tu ne sais à rien. Aucun respect. Une villageoise, elle est là, elle n'a pas de... J'ai dit qu'il n'y a rien qui peut attirer un homme sur ton corps. Jusqu'à ce que tu dis que je suis une femme complète. Je suis une femme complète. Si ce n'est pas ton agent que le gigolo là viendra manger, il y a quoi sur ton corps qui peut attirer une femme? Tu n'as pas de forme. Tu es là comme le statut pas de. Tu es là comme le statut. Tu n'as pas de forme. Rien, rien. Qu'est-ce qui va attirer un homme sur toi? Hein? Élégante, tu n'as pas. Tu n'es pas. On ne voit même pas ce que quelque chose de bon que tu mets sur toi. Rien. Hein? Eh bien, je suis milliardaire. J'ai ça. J'ai ça. Tu n'as rien. Tu t'en sors dans la vie comme tout le monde. Je dis que tu n'as rien. Tu t'en sors dans la vie comme tout le monde. Une femme mariée n'a pas droit d'aller rendre visite à une personne qu'elle ne connaît pas et mettre les mini-robes. Ça veut dire que tu es parti séduire le monsieur. Comme c'est un homme qui aime beaucoup de femmes, il t'a enfoncé les doigts dans le couetou et tu es resté mouillé. Oui. Tu es resté mouillé. Et tu vas dire, tu vas parler de respect. Qui va te respecter? Hein? Et toi de mon canjo, qui va te respecter? Hein? On t'a dit que monsieur, madame est sans faire ce genre de saleté. Hein? On t'a dit que madame est sans se réduit jusqu'à ce niveau. Une femme qui ne peut pas s'habiller convenablement pour aller voir son collègue. Tu prends une mini-robe et tu mets les cuisses de poulet dehors. Tes pattes de poulet qui te servent de cuisses. Hein? Tu les mets dehors.
Amen, amen, j'ai le voice. Parce que moi, je suis allé à la source. Je lui ai demandé que Nyandom, c'est vrai. Il m'a dit oui. Il a dit que oui. Il t'a bien enfoncé les doigts dans le couetou et tu es resté mouillé. Tu n'as pas laissé tes habitudes de la pimenterie depuis le Cameroun. Vous savez, je connais ton film. Au boutato, aspetta poi ti faccio lo spaghetti. Hein? Tu n'as pas oublié tes anciennes habitudes. Tu as mis une petite robe pour aller séduire Amer Kamer. Parce que c'est Amer Kamer. Il faut que tu montres que tu as les pattes de poulet. Tu as les cuisses de poulet. Il faut que tu montres que tu es belle. Une fille qui n'a pas de forme. Tu n'as pas de forme. Je ne sais pas qui te manque. Tu es statue pas de comme un homme. Toi, tu ressembles à un homme. Si ce n'est pas les seins qui montrent que, hey, on peut même te comparer à un travesti. Vrai, vrai. Quand tu regardes, quelqu'un peut se demander que, mais c'est un travesti. Vrai, vrai. Tu ne ressembles à rien. Rien du tout. Et tu viens parler à une femme. Hein? Qui a accompli. Tu t'adresses à une femme qui a tout eu dans sa vie. Tu t'adresses à une femme qui ne connaît pas la maison d'un marabout. Mais toi, on sait que tu es maman à marabout. Je te dis que je te mets au défi. Si tu es une femme, prends la Bible. Prends la Bible, tu jures sur cette Bible. Étoile de Kribi, prends la Bible, tu jures sur ça. Dis à cette Bible que la Bible te prend à témoin, comme tu dis toujours. Je te prends à témoin, si je connais, si je suis déjà entré dans la maison d'un marabout, frappe-moi. Dis à cette Bible que la Bible... Si j'ai pratiqué sur mon mari, frappe-moi. Dis à cette Bible que la Bible te prend à témoin. Si j'ai déjà vendu le couetou dans ma vie, frappe-moi. Ces trois choses-là. Regarde-moi une bordelle comme ça, la pimentière, avec sa tête de moineau, une sorcière, une ingrate. Tu es une ingrate. Oui, tu es une ingrate, mon kanjo de Kribi, tu es une ingrate. Même quand on te donne, tu simplifies parce que tu penses que tu es trop, alors que tu n'es rien. Tu vas redescendre sur tes rails. Une imbécile comme toi, chiennasse, tu vaux quoi? Hein? Tu vaux quoi? À part le gros français que tu nous sors dans les réseaux. Tu sais à quoi? Tu t'enchaînes ici sur Karimou. Tu la vaux? Hein? Est-ce que tu vaux Karimou? Tu es parti ici là. Il faut que je ressemble à Karimou. Il faut que je ressemble à Karimou. Il faut que je ressemble à Karimou. Tu es aussi parti. Tu es aussi allé sortir les produits. C'est bien, bravo. Mais arrête les creux. D'accord? Arrête d'aigreur. Parce que toutes ces femmes que tu framponnes dans les réseaux, tu ne les vaux pas. Tu ne les vaux pas. Tu n'es qu'un déchet sexuel que les hommes ont utilisé, baisé partout. Tu es un déchet sexuel. Prendre un turc, pratiquer sur lui, mettre dans la maison. Tu viens crier fort. Oh, je suis mariée. Oh, je suis... Pourtant, c'est un truc qui est dans ta maison. Une tumga.
Je t'ai demandé que, après avoir défendu Ngossa, insulté M. Mensankine, t'as rien fait. Ça va donner quoi à Ngossa? Ça va augmenter son salaire? Hein? Ça va augmenter le salaire de Ngossa? Une autre ingrate. Dis la vérité à Ngossa. Tous ceux-là qui défendent Ngossa, vous êtes là, vous êtes de la même espèce. Oui. Je le dis haut et fort. Vous êtes des ingrats purs. Des ingrats, des sales bordels. Hein? Pourquoi dire la vérité en gros, ça vous dépasse? Hein? Tu n'as pas pu avoir tes couilles rester sur ta chaise. Dis en gros, ça qu'en gros, ça vient ici. Quand on a les problèmes avec le grand frère, on le gère derrière. Hein? Pourquoi dire la vérité à Ngossa vous a dépassé? Hein? Ngossa dit aujourd'hui qu'elle a manqué de respect. Mais c'est elle qui m'a appris ce manque de respect. C'est Ngossa qui apprend les autres à lui manquer de respect. Parce qu'elle-même, elle manque de respect à ses grandes soeurs et ses grands frères. Vous n'allez pas tromper les gens dans les réseaux. Ngossa ne sert à rien. Elle ne servira jamais à rien. Son pare-balles n'est plus. Tout le monde va lancer ses balles n'importe. Elle va sauf que... Je dis qu'elle va vieillir dans les clashs. Il n'y a rien qui va enlever Ngossa dans les clashs. Coucou ma grande soeur mémé. Bonsoir ma... J'ai appris que tu es malade. Beaucoup de courage. Moi-même, j'étais sur le lit. Je n'étais pas bien. Je dis qu'il n'y a rien qui va enlever Ngossa dans les clashs. Rien. Parce que le seul grand frère, la seule personne qu'elle avait, comme gilet pare-balles, elle est venue inventer, manquer de respect sur cette toile. Donc, vous êtes toute une bande des ingrates. Non, vraiment, le paillasson de Facebook. Ce que tu dis est vrai, ma grande soeur mémé. Elle vient aujourd'hui, tu insultes un gossa au profit du père de la Suisse. Regardez-moi ça. Va fermer les cuisses de ta grande soeur souris, bordel. D'accord? Va fermer les cuisses de ta grande soeur souris, bordel. Dis à ta grande soeur souris, bordel, que son couetou est vieux, est déjà vieux, qu'elle prenne la retraite. Dis-le à ta grande soeur souris, bordel. Parce que le même travail, tu le fais toujours. Toi, étoile de Kribi, tu le fais toujours. Tu continues à le faire. C'est le pourquoi le père Mandumba n'a pas tardé, n'a pas hésité de te mettre les 5 doigts dans le couetou. Et tu as mouillé. Dans ton âme et conscience, tu sais que tu as mouillé. Voilà. Hein? Je dis que les gens n'insultaient pas Ngossa. Grâce à son grand frère. Elle était beaucoup respectée. Parce que le monsieur portait le gilet pare-balles. Pour elle. Aujourd'hui, elle est devenue quoi? On l'insulte de partout. On lui manque de respect de partout. Et elle se plaint. Hein? Elle se plaint pourquoi? Ngossa vaut la femme de Messan. Est-ce qu'un Ngossa vaut la femme de Messan? Celle qu'on appelle Ngolisanda,
avec ses fesses écartées comme ça, là, comme le couscous maïs. Hein? Une autre amoureuse, maman. Toi, Ngolisanda, tu es une criminelle. Oui, il a beaucoup pris pour Ngosa sur Facebook. On a traité ce monsieur de tribaliste. On a traité ce monsieur de tout. Parce que quoi? Il a aimé une soeur. Hein? Il a pu porter l'amour pour une soeur. Pour une petite soeur. Pour une fille qu'il a appelée ma petite soeur. Hein? Il a eu des balles un peu de partout. On lui a traité de tribaliste. On lui a traité de tous les noms. À cause de Ngosui. Elle sort pour me dire que c'est comme ça que j'ai travaillé pour eux. Ton contrat avec eux, c'est où? Le contrat que tu as signé pour travailler avec eux, c'est où? Hein? Ngosa, elle te met au défi. Sans moi, ne serait-ce qu'un voice où de monsieur t'envoie insulter. Hein? Tu venais insulter pour ton propre profit parce que tu avais faim. Oui. Tu venais insulter pour ton propre profit, Gonjal. Parce que tu avais faim. Tout simplement. Tu demandais les 50 euros à chaque minute. C'est ton grand frère qui te donnait à manger. Il payait ton loyer. Il te donnait l'argent pour acheter le lait à l'enfant. Hein? Il te donnait l'argent que prends, va acheter le lait. Quand tu partais là-bas, te plains que Achille n'achetait pas le lait à l'enfant. Achille vous a laissé sans nourriture à la maison. Qui te donnait à manger? C'est ce monsieur et sa femme. Et quand tu voyais ça, tu courais dans les réseaux sociaux pour venir insulter à ton nom parce que tu avais un profit derrière. Gonjal, arrêtez la manipulation. Arrêtez la manipulation. D'accord? L'autre, celle de Ngolisanda qui sort dit que monsieur Messang, il est venu ici là, dit que mes produits lui rendaient robuste. Il a dit que mes produits. Ngolisanda, toi-même, tu sais comment tu as abordé. Tu as abordé ce couple. Toi-même, tu sais. Une menteuse que des vieilles manipulatrices avec des vieux couetous qui ne servent à rien. Tu es une criminelle. En dehors d'être manipulatrice, Ngolisanda, tu es une criminelle. Tu as pris ton enfant, tu as jeté, tu as fait comme ça avec les pieds. Tu as attrapé ton enfant avec les deux pieds. La tête était au balcon comme ça. Comme ça, Ngolisanda, la tête était comme ça. Une femme qui a voulu qu'il aime son enfant. Tu as un cœur? Tu es quel genre de mère? Quand est-ce qu'on va te voir t'asseoir comme ça là avec tes enfants à table? Ngolisanda, une maman intime. Une femme intime. Hein? Tout ce que tu veux faire, c'est pour imiter la femme de ce monsieur. Tu es sorti ici là, Jean-Louis, laisse la star, fais partie la star, parce que tu voulais qu'elle redevienne comme toi pour nourrir les gigolos. Parce que toi, c'est ton travail. C'est ton travail de nourrir les gigolos. Le mariage depuis juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 4 mois que tu nous avais promis le mariage, un mariage, le mariage du siècle. On n'a jamais vu ce mariage. La dot est passée où? Hein?
si vous voulez, donc, c'est le genre de dot qu'on a, on a allé doter Gonjal. Maman, si c'est le genre de dot, la mieux, je reste célibataire. Parce que le genre, là, c'est la honte. Avec tous les vins qui sont en Europe. Hein? Avec tous les vins qui sont en Europe. Si c'est le genre de dot, là, mieux, je reste célibataire. Mieux, je commence à dire que je suis une femme indépendante. Si c'est le genre de dot de Gonjal que moi, j'ai vu là. La honte sur vous. Thierry même te méprise, Ngolisanda. Dans ton âme et conscience, tu le sais. Tu sais que ce monsieur ne te respecte pas. Il ne te veut pas avec sa femme. Coucou Malidi, bonsoir. Tu sais que, dans ton âme et conscience, tu sais que ce monsieur ne t'aime pas. Tu le sais. Anda Bikoko, seulement son doigt qui t'a fait comme ça, c'est un mépris, un manque de respect énorme. Pour une femme, soi-disant, je suis la patronne de sa femme, il t'a méprisé. Il t'a rendu néant. Il t'a rendu comme la poubelle. Que tu ne sais à rien. Tes choses-là se limitent sur Gonjal. C'est pas sur moi. Il t'a rendu comme la poubelle. Ce monsieur t'a méprisé. Aller-retour. Avec un simple doigt. Comme ça. Pas un simple doigt comme ça. Tu es une femme. Vous êtes des femmes. Hein? Voilà ta fille qui passe son temps à se droguer dans toutes les rues de Paris. Tu viens parler à une femme. À une femme, à un monsieur, à un homme qui s'assoit à table et mange avec ses enfants. À un homme qui accompagne ses enfants à l'école. Bande de bolowos, bande des amoureuses ambulantes. Les deux femmes-là étaient amoureuses de ce monsieur. Vous n'aviez pas honte? Vous n'aviez pas honte? Ngolisanda? Le mari de ta co, le mari de ta travailleuse sans salaire t'a méprisé. Est-ce que tu peux parler de lui? Tu peux parler de lui? C'est le pourquoi tu n'es pas allé la fois dernière, Anda Bikoko, parce qu'il était là. Parce qu'il était là. Tu as vu qu'il est gênant pour toi. Quand il est là, tu es malheureuse, tu es mal à l'aise. Parce que ce monsieur, il te montre à vue d'œil que toi seulement, je ne te veux pas. Parce qu'il sait de quoi tu es capable. Il sait que tu es mamie Kante. Il sait que demain ou après-demain, tu viendras dire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui avec le couple Messang. Tu as vu ce couple ici là. Tu as commencé. Tu vénérais sa femme. Tu vénérais la star Messang. Tu veux que te sortent tes appels, tes messages. Oh ma star, je t'aime beaucoup. Vraiment, tu es une bonne femme. Tu vénérais. Une sapac. Une langue. Tu vénérais. Tu vénérais la star, mes sang. Jusqu'à tu as couru. Aller les voir en Allemagne. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je dis que je peux te sortir tes messages que tu as envoyés à cette femme. Que je t'aime, ma star. Oh, je t'aime beaucoup. Vraiment, tu es une femme. Tu es une femme que... Vraiment, que Dieu te bénisse. Dieu va toujours bénir. Les premières paroles, là, resteront les mêmes. Parce que Dieu va toujours bénir cette femme. Que tu méprises aujourd'hui. Elle te méprise. Sache que... Je te dis alors, si les gens ne te le disent pas. Je te dis alors, elle te méprise comme les cacas.
raconte ses caca quelque part, elle s'assoit aux toilettes, elle chie, elle tire l'eau, ça part. Elle te méprise, aller-retour. Madame Messang te méprise, aller-retour. Colissanda. Elle a un mépris pour toi que j'ai dit que aïe, on peut mépriser quelqu'un comme ça. Moi-même, je suis restée comme ça. J'ai dit, yay, on peut mépriser quelqu'un comme ça. Elle te méprise aller-retour. Parce que tu ne la vaux pas. Tu étais fan. On discute quoi avec les fans? Non, mais franchement, dites-moi un peu. On discute quoi avec les femmes? Hein? La patronne discute quoi avec les fans? On ne discute pas. Elle t'a montré qu'on ne discute pas avec les fans. Non, 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 non. On ne fait pas la guerre avec les fans. Tu étais fan d'elle. On ne discute pas avec les fans. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Tu étais fan d'elle jusqu'à tu vénérais. Tu vénérais. Jusqu'à, tu envoyais les messages. Ouais, on peut se voir quel jour. Ouais, non, mais il faut que je vienne là-bas. Il faut que je vienne te voir. Vraiment, tu es mon modèle. C'est toi qui viens mentir aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Qu'elle te prenait pour modèle. Et encore, il s'en a tembé. Un tembé qui va banyaka. Encore, il s'en a menteuse Pro Max. Je t'ai demandé que qu'est-ce qu'une patronne peut discuter avec une fan? Hein? Qu'est-ce qu'une star peut discuter avec une fan? Tu es une fan et tu resteras une fan. Tu as voulu ici là faire à ce que dans la manipulation, comme c'est causé trop. Elle te disait trop son intimité. Dis à son mari que non, il faut la laisser. Tu la déranges trop. Alors qu'elle ne causait pas avec toi. Ngolisanda, menteuse, manipulatrice. Tu voulais que cette femme soit comme toi pour commencer à nourrir les gigolos. Jusqu'à venir nous dire que je vais me marier. Je vais me marier en juillet. Maman, juillet est passé. J'avais acheté ma robe. Oh. J'avais acheté ma robe. J'ai attendu le mariage là jusqu'à... J'ai dit que je vais sauf que faire et je m'invite. Hein? J'ai dit que je vais sauf que faire et je m'invite. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de mariage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le gigolo a dit non. Hein? Le gigolo a découvert qui tu es. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Ngolisanda? Hein? La femme des Congolais. Hein? Montre-nous comment on prépare les chikwangs. Parce que tu es la femme des Congolais. Montre-nous comment on prépare les chikwangs. Hein? Voilà l'autre gringalette de Kribi. Hein? La sainte n'y touche. Pourtant, quand le soir arrive, elle court, elle appelle les marabouts. Je t'ai dit que prends la Bible, tu jures sur la Bible que tu n'es jamais entré. Ni appeler les marabouts, que tu ne connais pas ces choses-là. Et toi de Kribi, prends la Bible. Voici la Bible. Prends la Bible, tu jures sur ça. Petite sapac. Telle mère, telle fille. Ta mère vous a laissé l'héritage de la pimenterie à Kribi. Qui ne connaît pas le vagin de ta mère à Kribi? Hein? Qui ne connaît pas le couetou de ta mère à Kribi? Et toi de Kribi, qui ne connaît pas le couetou de ta mère? Hein? Famille des vendeuses de piment. Famille des vendeuses de Ndongo. Petite Waka.
Tu viens parler dans les réseaux sociaux que tu es qui? Tu te permets de manquer de respect aux autres que tu es qui? Hein, petite idiote. Petite sapaque. Tu manques de respect aux autres que tu vaux quoi? Tu sais à quoi dans la société? Un bordel. Une famille qui fait la bordellerie comme les souris. Qui ne connaît pas, qui ne vous connaît pas, Akribi? Hein? Famille de Waka. Telle mère, telle fille. C'est l'héritage que votre mère vous a laissé. Oui. Sors encore, tu prononces le nom de Monsieur Messang. Je vais te montrer que Monsieur Messang aussi a une famille. C'est un père de famille. Insulte encore la star Messang, même en parabole. Même en parabole, petit sapaque. Sors encore, tu insultes ce couple. Que tu t'encharnes sur eux. Les gens ne voient pas. Petite bordel. Tu ne ressembles à rien. Tu penses que Monsieur Messang peut aimer une femme comme toi? Hein? Tu oses comme moi. Tu penses que Monsieur Messang peut aimer une femme comme toi? Tu n'es pas une femme imposante. Tu n'es pas une femme imposante. Ton école avec tes diplômes achetés que tu es allé acheter au Cameroun, sors-nous ces diplômes-là. Tu n'as que les diplômes achetés. Montre-nous ces diplômes. Dis-nous dans quelle école tu as eu ces diplômes. Nous irons vérifier les archives. Moi, je n'ai pas fréquenté. Donc, ne perds pas le temps de venir me demander quoi que ce soit. Je n'ai pas fréquenté. Mais moi, j'irai fouiller. Je vais appeler. Je vais appeler au Cameroun. Dis-nous dans quelle école tu as eu tes diplômes. Si ce n'est pas les diplômes achetés, petite bordel, une vanipier comme toi, damn shit. Regarde à quoi elle ressemble. Tu te permets de manquer de respect aux gens n'importe comment parce que tu parles une langue française, une imbécile comme toi. Tu sais à quoi, tu vaux quoi? Hein? Une femme qu'on a fracassé le couetou n'a pas droit à la parole. Tu te tais quand les vrais gens parlent. D'accord? Je dis qu'une fille qu'on a fracassée, on a baisé un peu de partout. Hein? Tu es une femme qu'on a baisé un peu de partout. Tu vaux quoi? Une femme qu'on a pris les 5 doigts, mettre dans le couetou. Tu sais à quoi? Tu as un respect, toi? Tu es une femme? Tu es une femme? Mon canjo de Kribi, est-ce que tu es une femme? On a pris les doigts. Amel Kamel, pas que on. Amel Kamel a pris les doigts. Il a envoyé dans ton couetou et ça nous baillait très mal. Je dis que j'ai la confirmation qu'il t'a mis. Il a enfoncé les 5 doigts dans ton couetou et ça nous baillait. Tu es une femme, toi? Tu viens parler de respect dans les réseaux sociaux? Tu n'as aucun respect. Personne ne peut te respecter parce que tu t'es diminué en miettes. En miettes. Tu as montré à l'homme que tu ne vaux rien, que tu n'es qu'une sassaillée. Bomi Yendek, marché central. Tu as montré à l'homme que, à mec, tu es le marché central. Hein? Et tu viens t'asseoir pour parler aux 10 personnes, aux 10 filles. Tu vaux quoi? Hein? Tu vaux quoi? Tu ne vaux absolument rien. Rien du tout. À part ton français que tu parles. Dis-moi à quoi tu vaux. Dis-moi à quoi tu vaux. Petite sapa comme ça. Hein? Tu n'es pas une femme. D'où ce mépris?
un homme prend ses 5 doigts, il envoie dans ton couetou. Madame, sache que quand on est une femme mariée, virgule, prends le cahier, tu écris ça, par petite villageoise. Elle croit qu'elle connaît trop la vie alors que c'est une tunga. Tu crois que tu connais trop la vie alors que tu es une tunga. Tu n'es qu'une peste, petite sapaque. Tu es sèche comme le poisson fumé. Sèche. Moi quand même, j'ai les formes. J'ai les fesses, les poches. Hein? Toi, tu es sèche comme le poisson fumé. Une femme mariée qui se lève, allez voir un homme qu'elle ne connaît pas. Elle met une petite robe attaquatoire. Tu partais vendre le piment. Tu partais montrer à mec à mec que me voici, je suis une peste. Je suis une bonne arienne. Je suis une bonne arienne. Prends-moi cadeau. Baise-moi chérie, parce que je veux un homme noir. Il faut nous laisser vos blabla que un jeune blanc, un jeune ceci. C'est vous qui enviez. Vous enviez les noirs. Vous enviez les relations des noirs. Tu es parti te donner toi-même cadeau. Tu as vu quelle fille fait le fait dans les réseaux sociaux. Hein? D'où sort ta bêtité? Tu as vu quel genre de fille le fait dans les réseaux sociaux. Une femme qui ne peut pas se respecter est une femme. En plus, se disant, les sois mariés, quand je suis mariée, le respect de ton mari est où? Tu as foutu le respect de ton mari dans la poubelle en te faisant niquer. Hein? En te faisant niquer, tu as foutu le respect de ton mari dans la poubelle. Regarde-moi une sapaque comme ça. Prononce encore le nom de Monsieur Messan. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Prononce encore le nom de Monsieur Messan et sa femme. Tu verras. Je vais jouer le dorji sur la tête de ta mère et de ta grande sœur ici dans les réseaux. Oui. Comme vous n'aviez jamais vu le manque de respect. Je vais te faire ça dur. C'est toi qui as l'argent d'aller porter plainte. Parce que quand on vous fait, quand vous attaquez, les gens ne voient pas. Vous courez, vous venez. Moi, les plaintes ne me menacent pas. Si tu veux, même va en Kondengui porter plainte. J'arrive là-bas, ils vont me justifier. Oui. J'arrive là-bas, je vais me justifier. Regardez-moi une tunga comme ça, une bolos. Une saleté comme ça. Mais ça ne te voit pas. Tu perds ton temps à prononcer son nom, il ne te voit pas. C'est vous qui courez toujours aller chercher les contacts avec ce couple. Il vous appelle souvent. Hein? Est-ce qu'il vous appelle souvent? Parce que vous aimez entendre que non, je suis en contact avec eux. Et elle vient dire, j'étais au téléphone avec lui. Lang. Sa Pâque. Et je ne vous dis pas, j'étais au téléphone avec lui. Et les choses qu'il m'a dit, il m'a sors-nous là où il t'a envoyé insulter. Petite manipulatrice, va. Sors-nous là où il t'a envoyé insulter. Sale villageoise. Putana. Regardez-me là. Une personne qui ne vaut rien. Elle est là comme l'épouvantail. Elle vient parler.
Un jeune, j'étais au téléphone avec lui. Parce qu'elle veut entendre que. Elle veut dire, elle veut faire croire aux gens qu'elle est trop en contact avec lui. Petite peste, avec son vieux couetou, vendeuse de piment. Regardez-moi là. Prononce encore le nom de ce monsieur. Sale bordel. Une vanupier comme ça. Avec sa large, avec son gros nez. On insulte Patricia de gros nez. Moi, je ne vois même pas son gros nez. C'est toi qui as le gros nez. Maman, elle a le gros nez comme le couscous qu'on a tourné. Tu as pris le couscous, tu as seulement tapé sur l'assiette. Bam! Regarde comment ton nez. Tu penses que tu es belle? Hein? Avec ton gros, un large nez comme ça. Hein? Regarde-moi ça. Viens parler, gnoc, 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 le monsieur de la Suisse. Gnoc, 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 le monsieur de la Suisse. C'est quand ça vous arrange, petite idiote. Avec ton large nez. Tu as opéré les seins, va aussi redresser ton nez. Ça pâque. Regarde-moi ça. Je dis que tu as opéré les seins. Va aussi redresser ton nez qui est large sur ton visage. Elle a le nez épaté. Hein, ton nez. Le nez épaté, écarté comme ça là. Le nez. Quand on te regarde, on voit comment le nez a pris tout ton visage. Une idiote comme ça. Tu vaux quoi? Tu vaux quoi? Une fille qui ne sert à rien, elle vient emmerder la tranquillité des autres. Tu viens emmerder la tranquillité des autres, que tu es quoi? Jusqu'à elle se prend même pour quelque chose. Regarde-moi ça. Petite sapa, bordel. Essaye encore. Je vais te faire du sale. Pas ce que tu dis là que tu faisais sur Nicolas. Hey, mon avocat a fait ceci. Tu vas dépenser toutes tes économies que tu as sur moi. C'est moi qui te le dis. Regarde-moi ça. Mon avocat a fait que je vais porter plainte. Donnez-moi l'adresse de cette fille. Vous savez à qui vous faites vos menaces là. Je dis que vous savez à qui vous faites vos menaces là. Viens avec ça sur moi. Je vais te faire saler le tout. Petite bordel. Jusqu'à être bien dit que hier il parlait de Mboumkena. Que hier, monsieur Messang parlait de Mboumkena. Aujourd'hui, il ne parle plus de Mboumkena. C'est vous qui aviez envoyé Mboumkena l'insulter, non? Hein? Auparavant, quand Mboumkena les insultait, tu étais où? Petite manipulatrice. Mboumkena a déjà travaillé pour ces gens. Est-ce que Mboumkena peut sortir, ne serait-ce qu'un audio? Qu'elle a su, monsieur Messang, que monsieur Messang lui dit que va insulter pour moi. Ou bien vient travailler pour moi. Elle peut nous sortir l'audio là. Hein? Petite manipulatrice que tu sois. Aujourd'hui, tu veux récupérer Mboumkena. Tu ne voulais pas lui porter plainte ici. Hein? Non, il parlait de la petite là. C'est comme ça qu'il parlait de la petite là. Tu vas, je dis que rêve va te démolir. Et personne ne va te sauver. La personne qui va entrer dans le clash, là, j'entre dedans. Vous là, et vous met en guerre. Je dis que la personne qui entre dans le clash là, j'entre dedans, fort, fort. Tu n'auras pas d'allié pour combattre rêve. Elle va te démolir. Oui. Rêve va te démolir seul. Et tu n'auras pas d'allié. Parce que actuellement, tu es en train de faire les appels de balle un peu de partout. La personne qui entre dans cette guerre-là me verra sur son chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Coucou, lâche l'or. Ciao.
Sto benissimo, benissimo, grazie. La personne qui entre dans cette guerre, je dis ça haut et fort, hoha. Tu es en train de faire les appels de balles un peu de partout parce que rêve est en train de te faire ça dur. Rêve caramélisé, maman. Rêve. Good man. Tu es une good woman. Power woman. Rêve, power woman. Rêve est en train de te démolir. Oui. Tu fais les cris de guerre. Tu es en train de pleurer. Et les gens ne voient pas tes pleurs. Moi, je vois tes pleurs. Avant, tu ne partais pas dans les tirets des autres. Aujourd'hui, à l'heure-ci, parce que le feu, le fire est derrière toi. Aujourd'hui, tu es en train de monter dans les directs pour appeler les gens indirectement que non, maintenant, je monte dans vos directs et sur votre corps, venez au secours. Mais la personne qui va essayer de mettre sa tête comme ça, il va prendre la machette et couper en deux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. La personne, je dis, monte dans tous les directs, dans tous les directs. La personne qui va oser prendre cette affaire que elle viendra faire la guerre à ta place. Maman, je vais prendre la machette et démolir la personne. Rêve va sauf que t'écraser. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de pleurer indirectement. Tu pleures. Les gens n'ont pas les yeux. Les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Tu es en train de pleurer. Même tes gestes disent tout. Même tes gestes disent tout. Tu es devenu comme une pampampée actuellement. Tu vas dans tous les directs. Tu montes dans les panels. Ce que tu ne faisais pas. Et regardez la manipulation de cette fille. Ce qu'elle ne faisait pas. Aujourd'hui, elle le fait. Parce qu'elle a le fire, le feu derrière elle. Rêve de bicoque est en train de te faire ça. Maman. Elle est en train de te dire que elle est en train de d'écraser ton couetou comme on écrase la pâte, le pistache. Et ton couetou va devenir comme la pâte du pistache. Oui. Rêve est en train de te laver, nettoyer, propre. Et je t'accorise ça. Fais tes appels de balle un peu de partout. La personne qui va entrer au milieu, maman, je vais nac la personne. Wow. Et ça ne chauffe pas. Femme du Syrien, merci. Bonsoir. La personne qui va oser seulement mettre Djoum sa tête que... N'est-ce pas, je suis là. Maintenant, je suis plus que prête. Je suis plus que prête. Fais tes appels de balles comme tu veux, un peu de partout. Même Gosa, l'heure, si tu as vu Gosa te défendre. Même Gosa cherche sa paix. À l'heure, sinon. À l'heure, si, maman. Tout le monde t'a abandonné avec ce clash-là. Tu vas clasher, maman. Parce que depuis, c'est ce que tu cherchais. Tu veux entrer dans la famille, dans deux sœurs, pour séparer deux sœurs. Tu es né. Hein? Tu es né. Pourquoi tu ne parles pas? Hein? Va bien, tu vas dans la cuisine. Pourquoi tu ne parles pas de ta grande sœur souris, bordel? Hein? Pourquoi tu ne parles pas de ta grande sœur souris, bordel? Mais si une autre personne élève sa sœur, laisse-la tranquille. C'est sa sœur, mais dis donc. Laisse-la tranquille, c'est sa sœur. Si elle veut manger sa sœur, c'est la famille, ça ne te regarde pas. Va fermer les cuisses
de ta grande soeur Souris, bordel, qui n'a pas, depuis le temps d'Aïdjo qu'elle vend le piment, elle n'a pas encore arrêté la vente du piment. Va fermer ses cuisses. C'est de ça qu'il s'agit. À l'heure, s'il a tout le monde, gère sa famille. Va nous montrer à Kribi que tu aimes ta grande soeur Souris, bordel. Tu l'enlèves dans la vente du piment. Petite sapac, malheureuse que tu sois. Elle vient montrer un autre visage comme si elle était trop quelqu'un dans les réseaux sociaux. Alors que par derrière, elle ferme sa chambre. Maman, elle ferme sa chambre, elle pleure. Tu vas dire quoi, rêve? Elle est en train de te démolir. Et je mets tout le monde en garde. La personne qui va oser seulement mettre sa tête dans ce clash entre la petite soeur de Souris, bordel, une famille de pimentières avec rêve. Je vais vous démolir. Je vais vous écraser comme ça, là, one by one. Aujourd'hui, je suis plus que prête. Personne ne va se panier. Tu vas clasher. Parce que c'est ce que tu as cherché. Tu vas clasher. Et toi de Kribi, tu vas clasher. Tu aimes Ya. Je dis que tu aimes Ya. Tu vas clasher. Parce que tu es souvent que... Tu es quelqu'un que... qui n'aime pas la paix. Quand les gens sont un peu en paix comme ça là, tu viens, tu commences à parler de Lolo. Lolo te doit quoi? C'est ton égal? Hein? Lolo, c'est ton égal? Petite ingrate. Elle a vu une petite soeur. Elle a dit que celle-là, je vais l'élever comme elle fait pour tout le monde. Aujourd'hui, tu pleures un peu de partout qu'on dise que... Mais donner à César ce qui appartient à César. Pourquoi tu pleures quand on dit que Lolo t'a fabriqué? Où est le mal en ça? Hein? Pourquoi tu pleures? Mais remets à César ce qui appartient à César. Tu es la fabrication de Lolo. Tu es l'enfant de Lolo. Je dis que tu es le moule. La fabrication que Lola a mis le ciment comme ça, là, elle, il a sorti le parpaing, c'est elle. C'est grâce à elle que tu as implanté dans les réseaux sociaux. Ça ne change pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Tu as voulu faire comme Jassi. Tu veux la mépriser, tu la dépasser. Tu peux dépasser Lolo. Quand tu regardes cette femme, maman, imposante, belle, je dis que toi, étoile de Kribi, tu n'as rien qui peut attirer un homme sur toi. Rien. Il n'y a que les doigts d'Amer Kamer qui sont restés. Hein? Qui sont restés dans ton couetou. Et il a sorti comme ça, il m'a dit que ma petite soeur, le couetou de l'étoile de Kribi nous bat très mal. Il a sorti ses doigts comme ça. Quand il a envoyé ses doigts dans ton couetou, il a sorti comme ça. Il a humé l'odeur, maman. L'odeur du poisson pourri. L'odeur du poisson pourri. Il m'a dit que ma petite soeur, il y a une étoile de Kribi, il nous dit. Il m'a dit ça. Que ton couetou sent l'odeur du poisson pourri. Il m'a dit ça. Il m'a dit que ma petite soeur, Yindi he numbje. Il a dit que Ugwe Yindi numbje. Ton couetou sent le poisson pourri. Quand il a fait ça, il a nous, maman. Tchè! Les autres, je peux imaginer. Je peux imaginer quand tu fais les 2 heures, 3 heures de direct. Je peux imaginer comment ton couetou nous va. Parce que, Amer Kamer m'a dit que, ma petite soeur, Teban Mourake ne regarde pas la main, ce fille-là. C'est profond là-bas en bas. Que tout son bras a failli, djoum là-bas. Il m'a dit que c'est profond.
Il a mis les doigts, il a suivi floco, 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 floco. Il a encore zoom, il a vu que si il met tout son sa main, tout le bras va entrer. Que tu es ouvert jusqu'à, que c'est long là-bas, tu as un long couetou, tu as un long vagin, que s'il met tout son bras va zoom. Mais regardez alors, regardez le bras d'Amerika, mais regardez ses doigts. Hein? Tu es une femme. Tu veux manquer de respect à qui? Il y a quelque chose qui est toc-toc dans ta tête. Hein? Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ta tête. Hein? Moi, je suis restée. Je vais vous mettre le voice là. Ou Amer quand même me confirme qu'il a zoom d'abord les doigts. Il a vu que... Hey. Et comme il zoome les doigts, c'est comme ça que la fille écarte ses petites cuisses-là qui sont comme les pattes de poulet. Elle écarte. Le Joe, tu zoomes la main. Le monsieur me dit que tout le bras a failli entrer. Hein? Et ça, il fallait alors voir sa main. Il était obligé de se lever, aller aux toilettes pour laver le bras. Et même comme ça, ça sentait toujours l'odeur du poisson pourri. Tu viens t'efforcer dans les réseaux sociaux. Tu es qui? Hein? Tu es qui? Tu es quoi? Tu ne vaux rien. Tu n'es pas une femme. Une femme mariée qui s'est fait niquer. Une femme mariée qui a mis une mini-robe. Parce qu'elle s'est rappelée de son ancien travail. Qu'elle faisait à quoi? Tu t'es rappelé de ton travail. Allez séduire Amer Kamen. Et tu as oublié qu'Amer Kamen, alors, c'est un villageois. Parce que ben, il dit même, il a même eu pitié de toi. Il m'a dit que ma petite soeur, j'ai même eu pitié. Parce que elle a oublié que moi, je suis un bon villageois. Hein? Tu as oublié qu'Amer Kamen est un bon villageois. Hein? Donc, il pouvait même plier, croiser ses deux mains et enfoncer ça là-bas, dans ton couetou. Il m'a dit que ton vagin est long, que tu as un long vagin. Ça fait floco, 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 floco. Hein? Ça veut dire que si le truc d'Amer Kamen entre, ça va nager. Parce qu'on reconnaît un homme qui a le gros zizi. Pas ses doigts. Amer Kamen n'a pas les gros doigts. Disons-nous la vérité. Regardez les doigts d'Amer Kamen. Il n'a pas les gros doigts. Ça veut dire que s'il prend son petit zizi là, il met dans toi. Mon frère, il va nager. Il va nager. Rien que les doigts qu'il a mis, les cinq doigts là, ça prouve tout. Et tu viens dire dans les réseaux sociaux que tu es une femme. Tu es une sapac bordel qui ne vaut rien. Tu ne sais pas bordel qui ne vaut rien. Maman m'avait dit. Bravo. Tu ne sais pas bordel qui ne vaut rien. Une femme qui a le cuir floco, 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 floco. Hein? C'est personne. Amer quand même a dit que ton couetou est grand comme ça, grand, le puits. Que c'est le puits. Viens nous montrer le contraire ici. Assieds-toi comme ça, là, tu écartes tes fesses, tu nous montres que ton couetou n'est pas le puits. Christienne. Crépitanas. Assieds-toi, tu écartes ton couetou, tu soulèves comme ça, tu nous montres que voilà l'entrée. Montre-nous seulement l'entrée si je manque. Montre-nous seulement l'entrée de ton couetou. Si je mens, que ce n'est pas gros. Amer Kamen a dit que c'est le puits. Il a envoyé les doigts, le couteau a failli avaler tout son bras. Vous me dites quoi? Hein? La femme là est grandement ouverte. Et la mie d'Amer Kamen aussi mougou. Hein? Tu viens... Tu es jusqu'à bien se la faire, bien se la péter dans les réseaux sociaux. Il lang, tu es qui? Hein?
Tu es qui? Une bordelle comme ça, envieuse. Tu es une envieuse. Oui. Ce que les gens ne connaissent pas, ce que les gens ne voient pas, c'est que tu es une envieuse. Une envieuse promax, c'est toi. Une jalouse, c'est toi. Aigrie, c'est toi. Sorcière, c'est toi. Une milliardaire qui n'a jamais rien de beau sur son corps. Rien. Tous les jours, c'est que je suis milliardaire. J'ai l'argent. Voilà ta co, Natacha de Monaco. On a vu sa maison, on a vu sur quoi elle dort. Une vraie femme. Une vraie femme. Jusqu'à toi, tu viens parler. Vendeuse de piment depuis Kribi. Mère pimentière. Enfant pimentière. Mère pimentière. Enfant pimentière. Manque encore le respect à Monsieur Messan. Je vais te montrer que c'est aussi le père de quelqu'un. Manque encore le respect à Lolo. Je vais te montrer que c'est aussi la mère de quelqu'un. Petite idiote. Sa pâque saleté. Avec son long couetou. Tu peux parler à qui? Tu vois Lolo? Hein? Jusqu'à tu viens clasher avec sa petite soeur, tu la mélanges dans la saleté. Regardez, on reconnaît une fille qui a tout mal parce que tu avais le gros cœur. Tu récupérais les choses de tes grandes soeurs. Tu niaissais avec. C'est ta vie que tu es parti inventer sur rêve. C'est ta vie. Moi, on m'a dit ça que c'est ta vie. Et c'est vrai. C'est ta vie que tu es parti inventer sur rêve. C'est ta propre vie. Quand on te voit, on sent une fille qui récupérait les maris de ses grandes soeurs par jalousie, parce qu'il fallait que tu sois aussi à la hauteur. Tu récupérais les maris de tes grandes soeurs derrière, tu niaissais avec. C'est toi. Toi et ta grande sœur souris, bordel. La preuve en est, c'est son acte de naissance que tu as voyagé pour entrer en Europe avec. Est-ce que je mens? Viens nous démentir ça. C'est l'acte de ta grande sœur souris, bordel, que tu as pris pour entrer en Europe avec. Viens dire que c'est faux. Petite sapac. Regardez-moi ça. Mais Jean, rendez-vous à 21h. Je vais encore repasser. Nous sommes en week-end. Nous sommes en week-end. Rendez-vous à 21h. Je m'en vais faire à manger à mon petit. Rendez-vous 21h. On va laver mon kanjo de Kribi. Apprêtez vos téléphones. Voilà, une escroc nga, hein? Une escroc woman. Une femme est quittée, la femme blanche. Elle est venue jusqu'à te cravater chez toi que tu as volé l'argent de son mari. L'escroquerie, c'est toi. Vente de piment, c'est toi. Tu peux parler à qui? À Lolo ou bien à la femme de Messan? Hein? Tu vas, je dis que tu vas clasher. Tu vas clasher. Et la personne qui osera mettre même, je dis que ne serait-ce que son nez, je vais couper le nez là avec la machette. Tu vas clasher. Parce que quand les gens sont tranquilles, tu viens toujours provoquer. Tu fais comme la souris mousareigne. Elle picore, et puis elle envoie l'air. Elle aille se cacher. Famille des souris, bordel. Famille des souris, bordel. Hypocrite, va. Regardez-moi ça. Tu es jalouse de Lolo. Tu n'auras jamais l'aura de Lolo.
Tu ne pourras jamais atteindre Lolo. Oui, oh, visuellement. Et bien, tu aimes. Oui. Si. Tu ne pourras jamais être Lolo parce que tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse de Lolo. Tu ne la vaux pas. Malgré tes millions, malgré ton argent, tu n'auras jamais l'aura qu'elle a. La preuve en est, tu es sa fabrication. Malgré tout ton argent, pourquoi tu ne t'es pas fabriqué? Hein? Malgré tout ton argent, et toi de Gribi, pourquoi tu ne t'es pas fabriqué? C'est Lolo qui t'a pris. Elle suppliait, c'est Lolo Mania que. Mais Lolo Mania, allez soutenir. Elle suppliait ses fans de venir te soutenir. Une ingrate comme toi. Tunga. Tu es une ingrate. Tunga que tu sois. Tu viens cracher sur le travail de quelqu'un. Petite sapaque. Bomi Yendek. Vendeuse de piment. Maman marabout. Eh bien, et Jésus a fait que... Jésus a fait que... Je vous dis que Jésus a fait que... Le soir, elle est chez les marabouts. C'est elle qui dit que son mari n'a pas de parole. Si un homme... avec tous ses sens, n'a pas de parole chez lui. Ça veut dire qu'il a été grimbalisé. Ça veut dire que ce monsieur a été grimbalisé. Prends la Bible, tu viens me dire, c'est là que Monica, ce que tu dis, tu mens sur mon mari. Je n'ai jamais grimbalisé mon mari. Tu jures sur la Bible. Petite idiote. Rendez-vous 21h. Je vais finir avec ta race. Je dis que tu vas clasher. On ne fuit pas les clashs. On ne fuit pas les clashs. Tu vas clasher. Parce que quand tu provoques les gens. Tu penses qu'on ne te répond pas parce qu'on a peur de toi. Monsieur Messang ne te répondra jamais. Ni même ça. Sa femme, alors, tu perds ton temps. Sa femme, alors, vous méprise aller-retour. Pour sa femme, alors, vous perdez votre temps. Elle vous méprise aller-retour. Aller-retour. Et tu vas clasher, sache-le. Mets ton cycliste, tu mets la ceinture. Moto d'Igo. Je dis que, porte le cycliste. Tu serres la ceinture. Moto d'Igo, tu vas clasher. Parce que quand vous commencez, vous ne savez pas que c'est la boue. Maintenant, quand on commence à vous écraser, oh, je n'entre pas dans la boue, laissez-la clasher seule. Oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Tu vas clasher. Tu vas sauf que clasher. Ça pâque. Bonne journée, mes gens. Je m'en vais cuisiner pour l'enfant. 21h, je suis avec toi, mon Kanjo. Petite bordel, fière que tu sois.